ce live de Running Reef Rifles avec mon magnifique accent. Mais je ne suis pas tout seul ce soir, non, je ne suis pas tout seul, je suis avec plein de soldats. Je suis avec Akatsuki, salut à toi. Yo, nous sommes pressants, prêts à nous battre. Ouais, si avec l'accent vous n'avez pas reconnu quelle faction on va jouer ce soir. Crazy, salut à toi aussi. Eh bien le bonsoir tout le monde. Et notre cher Katox, salut à toi. Oh. Et il manque un petit qui nous rejoindra, un tout petit bridi-kiriki, qui s'appelle Dacus, qui nous rejoindra un tout petit peu plus tard. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'on va vous proposer de beau? Eh bien on va vous proposer une petite campagne sur Running with Rifles qui est sortie il y a plus de 10 ans je crois, 9 ans, 8 ans. Je ne sais plus, mais en tout cas, ok, le son est bon, me dit, très bien, parfait. Qui est sorti il y a un petit moment de ça, mais bon, voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est dans les vieux tonneaux qu'on fait le bon vin, donc un bon petit jeu là en coop, en étant nombreux, ça va être très très fun. On va partir sur... Alors, je vais pas vraiment vous présenter le jeu, vous me poserez des questions en temps réel si vous voulez, hein. J'ai fait une découverte sur la chaîne, même plusieurs, enfin une découverte plus une découverte des DLC, donc je considère que vous êtes un peu renseigné sur le jeu, si c'est pas le cas vous le découvrirez, vous nous demanderez. On va partir sur une campagne du coup avec la faction des Grey Collars, alors on a les Green Bells qui correspondent grosso merdo à la faction américaine, les Grey Collars à la faction allemande et les Brown Pants à la faction... Il ne faut pas prononcer le nom en ce moment, mais je peux vous donner un indice, ils sont en guerre et ils sont considérés comme les méchants, voilà. Chine. Oui. Ah, tu parles de gens qui font de la rétention de blé. Oui, voilà, qui font notamment de la rétention de blé, effectivement, avec un homme chauve à leur tête, voilà, je pense que vous avez bien deviné. Il est plus que ça, hein, il a un petit peu de cheveux encore. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin bon, on peut le dire. À 70 ans. C'est ça, on peut le dire. Ce sont les Russes, voilà, je l'ai dit. Mon Dieu, ça y est, on va être banni de Twitch. Pourquoi les blinis? De niveau de difficulté, on va rester en difficile, hein, qui est une des plus hautes, si ce n'est la plus haute. En fait, après, on va avoir vétéran, ça va rajouter le brouillard de guerre, en gros. On va pas s'infliger ça, vous allez voir, c'est assez affreux déjà comme ça. Et je vais démarrer la campagne. Il y a un truc qu'il faudra pas oublier de faire. Ouais, dis-moi, parce que je peux oublier plein de choses. Il faudra pas que j'oublie de faire un truc. Il faudra d'ailleurs que tu me le rappelles. Que je mette un gros carré noir sur ton adresse IP. Parce que c'est pas qu'on la voit à l'écran. Ah ouais, c'est vrai. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Vrai. J'y penserai. Et dans le chat, effectivement, le signe noir qui envoie toutes les infos, le lien vers la découverte, comment soutenir la chaîne en achetant le jeu via notre partenaire Humble Bundle. Avec magnifique accent. Et mon serveur est activé maintenant. Ah, je suis connecté au serveur. Et ça, c'est beau. Et c'est déjà pas mal. Ça, c'est beau. Ah, et je comme. Ça devrait être pas mal. Ah, je suis à 15% de chargement. Ok, bah nickel. Donc ça, c'est la map sur laquelle on va jouer actuellement. Ça va être du... Ce qui est bien, c'est que je peux voir la map quand même, car je suis sur le live en même temps. Bah oui, c'est ça, oui. Et force ne vous dit pas bonjour. Oui, d'ailleurs, Stork. Ah ! Excuse-moi. Stork ! Salut à toi. Tu as dit bonjour le premier, c'est vrai. Bon, je vais peut-être pas dire à Akatsuki parce que il est là. Ouais, moi je suis là. Bah oui, t'es là. Tu dis bonjour et t'es là. Ah bon ? C'est beau. Ouais. C'est beau. Un homme multitâche. C'est ça. Hop ! Ah ! Je suis là. Ah, une commandante. Choucroute, je pense que c'est toi. Et on a Katox. Eh bah parfait. C'est vrai qu'il y a des trucs là-dedans. On tirait quoi? Ah, de la G36, trop bien. Oh, alors c'est un G36K, ouais. Pour être précis. Voilà, alors, on va avoir A4, l'expert des armes qui va toute la soirée. Vous pouvez lui poser des questions si vous avez des questions. Il vous dira. C'est notre expert en munitions. Et genre ils attaquent comme ça quoi. Ok, bah voilà, je suis tombé. Ça c'est fait. Ils nous envoient directement. Merde. Ils nous envoient direct. Qu'il y avait un chargeur. Ah oui, ça. Ah oui, d'accord, ils attaquent direct quoi. Ok. Ok. Donc là pour le moment on est tous des péons, hein, mais on va gagner de l'expérience au fur et à mesure. On va monter en grade, on pourra porter de nouvelles armes. Une petite MG3 là, ce serait pas mal. Ah! Ils arrivent dans le dos! Ouh! Moins 5 RP parce que je suis mort! C'est dégueulasse!
Ah ouais. Ça c'est encore des... c'est encore une histoire d'américain. Ah bah ça. Qui est-ce qui vient de se faire knifer là? C'est moi. Ah la honte. Il, ouais, il était beau quand même. On fait ce qu'on peut. Mention spéciale pour les cuts alors. Ah c'est marrant parce que j'ai fait cette mission, bah forcément, les missions sont toujours les mêmes, et je l'ai fait en... C'est aléatoire je crois, par laquelle on commence par contre. Et je l'ai fait en solo où j'étais de l'autre côté moi. Et en fait c'était le dernier point qu'il fallait prendre, c'était celui-là, il était galère. Et là du coup c'est marrant parce que je le fais dans le sens inverse, on part de ce point-là. Bah c'est peut-être parce que tu étais un américain. Non, j'étais un russe. Je sais pas si c'est vraiment aléatoire. C'était donc un méchant. De mission. Je pense que la première map, c'est toujours la même. En prenant les Russes, c'était pas ma première mission celle-là. Et en plus de ça, j'ai commencé tout à droite de la map. Alors, est-ce qu'on peut prendre le camion? Ah, mais oui, on peut prendre le camion. Ah, oui, tu peux prendre le camion, ouais. Ma grenade, c'est où mes grenades? Que je jette par mes contre, grenades. Il ne démarre pas le camion. Pourquoi je ne peux pas conduire le camion? Peut-être parce que je suis monté du côté passager. C'est bien possible. Et je crois pas qu'il y ait de bouton raccourci pour changer, hein, ou alors je m'en souviens plus. Je ne sais pas, je n'ai pas paramétré tous les boutons, j'ai déjà paramétré celui pour me battre. Ah merde. Ah t'es comme ça toi. Alors c'est un camion de spawn en fait, c'est-à-dire... Bon bah c'était un camion de spawn. Et quoi c'est un camion de spawn. En fait ce camion là permet de créer un spawn, parce que quand tu meurs tu peux choisir un spawn sur la map et tu peux t'en mettre un mobile en fait. Ah bon. Enfin on pouvait quoi. Enfin il y a encore un 43%. C'est ça, on peut encore. Je sais pas, moi j'ai vu un camion, je suis monté dedans. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je vais prendre une Jeep moi, mais bon. Alors il y a quelques blindés aussi. Salut Kenton qui dit Aquiette avec un véhicule, ça sent le roussi. Tu ne crois pas si bien dire. Alors merci de me rappeler cette terrible épreuve que je suis en train de traverser. À propos de véhicule, il y a un gros véhicule qui arrive là. Ah, et il est vert du coup. Oui. Ouais. Ah, ça nous abac. Ah, je suis mort. Je suis parti. On meurt vachement vite. On meurt vachement vite quand même. Ah bah une balle à mort. Mais certains plus que d'autres. Tout à fait. Comment ça. Donc ça, non, je mais peux pas attention, encore la porter. Hein. C'est parce que j'ai une casquette. Ça est-ce que je peux ça. Prendre ce véhicule? Ce véhicule de combat. Ah bah oui. s'il y a pas un mec plus gradé dedans, oui. Ah mais ça bouge pas. Non. Je peux dire aux gens de dégager. Est-ce que c'est peut-être parce que le conducteur est à droite? Non mais en fait ça bouge pas. Merde. Alors, je ne peux pas prendre le camion de glace. Ah non, il y a des véhicules que tu ne peux pas prendre. J'ai fait une petite alors, percée dans leur ligne. Un FN 2000, une AK-74U et un XM8. Oh. Ok, on a un parachutage. Il y a un parachutage de glace. Pour le moment je vais stagner là. S'il y a des gens qui veulent me rejoindre. Un APC. S'ils peuvent surtout. Si je suis pas mort d'ici là aussi. Je suis aux prises avec un APC. Alors moi, camion de glace, je dis oui. Ouais, j'essaye, mais... Go mais on peut pas rouler avec. Non, les véhicules civils, vous pouvez pas, je crois. Si. Ah, si, si, tu peux. Ah non, ça, hein. Je sors. Un kit de fortification. Parachutage. Fais gaffe. Ah. Oh putain. Non. Ah oui, non, mais en fait, j'aurais été tué car j'aurais été encerclé par tous les Américains. Pour le moment, je tiens mon toit. Hein. Par contre, j'ai beaucoup de monde sur moi. Hein. Normalement, j'en attire tellement que vous devriez avoir la possibilité de commencer à percer parce que ils sont tous focus sur moi. C'est si vous regardez où je suis sur la... Non, je vais mourir. Non, je suis mort. Et merde, j'avais plus de balles, j'ai oublié de recharger. Voilà. Mais au moins, ça vous a permis d'avancer. Merde. Ouais, Katox mériterait d'être un chouïa plus fort. Je l'ai déjà mis à fond sur Discord. C'est Katox, on le connaît, hein. C'est qui? J'entends rien. Malheureusement, je ne peux rien faire de plus pour la voix de Katox, je suis désolé. Je ne peux rien faire de plus pour Katox, désolé. Je l'aime bien, c'est pas le problème, mais... Bon. On s'est tués tous les deux avec l'américain. Alors, c'était quoi l'histoire des armes qu'il fallait ramasser, je sais pas quoi? En fait, si tu ramasses 5 armes... enfin, une par une, hein, bien évidemment, mais au bout d'un moment où t'as ramené 5 armes à notre armurerie, cette arme est débloquée et on peut la prendre en setup de base, quoi. Voilà. Donc il faut que je la mette dans mon sac, c'est ça? Tu la mets dans ton sac à dos, effectivement. Si elle a une croix rouge, ça veut dire que tu ne peux pas encore la porter parce que tu n'es pas assez gradé, tu n'as pas assez d'expérience pour la prendre. Et où est l'armurerie?
Et l'armurerie, si tu fais un... Enfin, moi, c'est tab, mais je sais plus ce que c'est, la carte. Tu vois, c'est un gros... c'est ça. Alors, on a une armurerie mobile si on veut, c'est pareil. Et sinon, un peu plus bas, si tu regardes sur ta map, t'as un gros carré style conteneur. Et ça, c'est l'armurerie. Et donc, je jette dedans, c'est ouais, ça. Ouais, et normalement, il doit te mettre un message en haut pour te dire plus que 4, plus que 3, plus que 2. Fusil d'assaut, je sais pas. T'as rien dit ? Bref, j'ai mis un lance-roquette et puis un M16. Voilà. Alors, si c'est une arme rare qui est bleue, ça ne sert à rien de la ramener. Enfin, si tu peux, là, parce qu'elle va te donner des RP, des bonus, comme celle que j'ai là actuellement sous mes pieds. Elle va te ramener. Non, ça... Mais par contre, ça ne la débloquera pas. C'est-à-dire que les bonus. Pas bleu, mais... Ok, ça marche. On est d'accord que ça te débloque pour tout le monde, c'est-à-dire que. Oui, pour toute la faction. Aussi, pour tout le monde. Pour toute la faction. Okay. Et jusqu'à la fin de la campagne. Okay. Donc, c'est... Donc, on n'ira pas au bout de la campagne ce soir hein, parce qu'il y a pas mal de missions. Mais si tout le monde aime bien et que tout le monde s'amuse dessus, on fera ça en quelques sessions. Aouh ! Je me suis fait tirer dans le dos. Ouais, je suis au courant que l'écran est coupé sur la droite, Zikino, tu fais bien de le faire remarquer. Parce qu'en fait, OBS, et je ne suis pas le seul, parce que ça l'a fait aussi à Akat. C'est compliqué à capturer ce jeu, mais moi j'ai pas de coupure d'écran d'ailleurs. Ouais, bah moi en fait c'est parce que je suis sur une très haute résolution et j'ai pas eu le choix. Donc c'est un petit peu coupé sur la droite, mais c'est pour que vous l'ayez en entier. Je vous rassure, sur la droite, il n'y a absolument aucune info. Alors, pour le coup, moi, je suis en 2K. Voilà. Ouais, je suis quasiment en 4K, moi, donc c'est compliqué. Oh la vache. Il y a du attention, monde. J'ai 3 M16 sur moi. Couvrez-moi. Le mec, il revient avec 40 fusils d'assaut. C'est normal. Il m'a l'air bien chargé. Je suis qu'à 60%, ça va. Après, 60% pour 3 M16, c'est-à-dire que le mec, il peut porter 12 kilos, quoi. Ta fiole. Alors ce qu'on va faire là, bon, c'est le début, donc on se fait un peu la main, l'XP et tout, et puis après on essaiera de... Comme on est assez nombreux, enfin, on est 4, et potentiellement 5 tout à l'heure quand Xacus nous rejoindra, on pourra se tenter des petits commandos pour aller prendre des points à l'arrière. Ah bah tiens, Xacus, coucou, qui dit j'essaie de régler mes problèmes avec Steam. Ah. Ok, bah écoute, fais ce que tu peux, Xacus, fais ce que tu peux. Est-ce que tu as payé ton abonnement mensuel à Steam pour pouvoir jouer avec nous? Sur mon... Alors, l'abonnement sur mon compte PayPal, hein, du coup. Il fallait donner 50 euros à la Akatsuki Production. Ah, tiens, je l'attendais arriver celle-là. Bah oui, attends, il doit changer de voiture. Il faut des sous. C'est sûr. Ça peut aider. Bim. Oh oh. Ah, il y a un M24KA2. Sinon, on va à terre. Ok, donc là. Grenade. Où est le point déjà? Alors, le point, il est juste. Ah oui, il faut descendre dans le. Là où il y a la petite piscine. Là où il y a la piscine, quoi. Ouais, enfin c'est pas une piscine, c'est... Hein, ça, voilà. C'est pas l'heure d'aller à la piscine, c'est la guerre ici, monsieur. Allez, venez là, ouais, venez prendre là, comme ça on va prendre ce point là, on va avancer un peu. Ouh, le sniper là. Ouf. Il y a des gens sérieux ici. Ça, ils arrivent, attention. Merde, je tire sur les arbres, moi. Faites gaffe. Ah. Il y avait un snipe. Bah je crois bien ouais. Ah oui, il me tire dessus aussi. Il est où ce con? Eh il joue bien l'ordi hein, il est pas débile. Ah hein. Non, l'IA est pas trop mal, à part pour les véhicules mais... Ah. Oh bon. Aïe. Bon, de l'infanterie contre un APC ça marche pas. Ah bah c'est si tout veux, à fait logique. Hein. Si tu veux nous rejoindre, Zikino, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Y'a pas de problème. Hein. Si t'as le jeu, hésite pas. J'ai un blindé qui me tire dessus. Ah oui, d'accord. Les mecs, ils te tirent dessus, tu les vois même pas. Quoi. C'est pour ça que le brouillard de guerre, j'étais pas chaud. Ouais. Ouh, ça re... Bon, ok. Ouais. Alors, ouais, quand vous voyez des mecs qui ne meurent pas du premier coup, c'est parce qu'en fait, quand on commence à être gradé, on peut avoir des gilets pare-balles. Et les gilets pare-balles nous protègent un peu et nous permettent de tomber au sol, voire de rester au sol et d'être soigné. À partir du moment où vous êtes une bleusaille, vous voyez que moi je porte une trousse de secours, je pourrais jamais soigner mes coéquipiers de ce soir pour le moment. Parce qu'en fait, on est simple de soldats et que pour le moment, c'est une balle, un mort. Tout simplement. Donc là, on galère un peu à progresser, mais après, ça va commencer à le faire. C'est le début, on est des bleus, on n'a pas beaucoup d'armes. Là, le blind... Ah, merde. Déjà, ce qu'on a. On va pas prendre nos propres armes.
Alors, je vais aller voir quand même l'armurerie ce que j'ai, mais normalement, j'ai pas passé un grade encore, hein, donc je vais pas avoir grand-chose. D'ailleurs, on voit pas la barre d'XP. Pour la voir, faut que tu laisses appuyer ton bouton qui te permet d'afficher ton menu, ton équipement. Et il apparaît au milieu avec tes RP. Et les RP, c'est des points en fait qui permettent effectivement de s'équiper. Par exemple, si je commence avec cette arme-là, ça me coûte 2 RP. 91 XP et 304 RP. Bah, on va dire que j'ai à peu près l'inverse de toi. À peu près. Hein. Ouais, donc là, j'ai pas grand-chose. J'ai un fusil à pompe, mais comment dire que le niveau ne se prête pas du tout pour moi, un fusil à pompe. Ouais, allez, faut qu'on avance, c'est vrai. Est-ce qu'on essaye de faire une attaque un peu plus groupée? Est-ce qu'on essaye de faire un petit groupe? Est-ce que... Par contre, mon soldat ne s'est pas visé. Ouais, je tiens à le dire. Ouf, tu t'es fait avoir tellement dans le dos, là. Allez, double... Qu'est-ce qu'un Mossberg 500? Ah, c'est un fusil à pompe, ouais, d'accord. Un fusil à pompe. Un Mossberg, normalement, c'est américain comme firme. Oui, oui. Si je dis pas de conneries. Bah, je l'ai pris sur un américain, enfin je l'ai vu sur un américain, mais du coup. Allez les gars, on avance, on essaye de reprendre ce fichu point là. C'est pas une mauvaise firme, hein, Mossberg. D'ailleurs, fun fact, nous avons des HEK G36, et est-ce que vous savez quel est l'ancien nom de la firme HEK? Eh bien, non. Moser, voilà. Ah oui, d'accord, je savais pas que c'était Moser. Voilà. C'est pour ceux qui savent. Ouf, oh là là, on a pris cher. Et à savoir que la G36 aurait pu équiper. Enfin, quand la G36 a été mise au point, c'était pour remplacer la G3. Et la G3, c'est un petit truc assez drôle, c'est que ça a failli être le FNFAL. Mais quand les Allemands ils ont demandé s'ils pouvaient acheter la licence de FNFAL, enfin de la FN pour faire leur FAL à eux. Bah, la FN qui est belge a dit non, on se demande pourquoi. Manette. Parce qu'ils avaient été envahis deux fois en 40 ans. Tu m'étonnes. Il y a un lance-grenade aussi, mais. Alors, on a chopé effectivement une mallette. Au secours! Venez m'aider! Je vais ramener la mallette, et en fait, la mallette va nous débloquer immédiatement une nouvelle arme. Sans avoir besoin d'en ramener 5. Ishaba a une problème. Yes. Yaya, mais Ish. Ich mallette. Ich repliade. Alors, on va ramener la petite mallette qui va nous donner au plus passage 200 RP, hein, rien que ça. Et est-ce qu'on le sait ce que ça débloque, nous? Le kit Hornet est maintenant disponible dans l'armée. Ouais, alors je ne sais pas ce que c'est. Hornet, c'est quoi? C'est le frelon, non? En anglais. Je crois. Alors attends, parce que je vois pas du tout ce que c'est. Kit mortier. Ah, attends, oui, c'est vrai que la page continue par là-bas. Comment on fait déjà pour... C'est une molette. Ouais, hein. Ah, c'est la molette. C'est ça. Eh bien, c'est un lanceur pour moi. C'est un lanceur tow. Un truc ouais, comme ça. C'est ça. C'est un lance-roquette sur pied, effectivement, qu'on peut mettre en défense. Ah. Vous avez le droit à la M16 maintenant, messieurs. Oh, on a le Space 12 italien. T'en as ramené 5 des M16? Ouais. Donc tu l'as débloqué. Bah, bien joué. Voilà. Et on peut avoir des Space 12 italiens. Intéressant. Un kit pour se déguiser en frelon. Bon, est-ce qu'on va arriver à prendre ce point? Donc ils nous repoussent, hein, les gars. Ouais, pour le moment, ils sont pas très chauds. Hein. Ils attendent bien comme il faut. Je vais vous attendre. Way to go, soldier! Ils sont nombreux. Au secours! T'as eu mon repéré, merde. Aïe. Ah, ils étaient bien placés, c'est con qu'ils étaient pas plus proches. Et est-ce qu'il y a des grenades fume? Je sais plus. Tu mets le doute, tiens. Ah, pourquoi j'ai une note? Comment ça se passe? C'est quoi ça? Le jeu vous semble trop difficile. Non, mais oui, mais bon. C'est le temps de se débloquer au début. En général, quand on commence à prendre un point, après. Après, ça va mieux. Ouais. Mais je pense qu'on va vraiment finir par aller se faire un petit commando et essayer d'aller prendre un autre point ailleurs. Ça vous dit? Regardez, venez voir. Attends, moi, venez au-dessus de la plage. Je suis en train de me balader dans la ville. Ah. Bon, bah sinon, ceux qui sont dans le coin, là, venez. On va se faire un petit quai. Renfort demandé. Oh, bordel. Si vous venez au-dessus de la plage, là, on va se prendre un petit canon pneumatique et on va essayer d'aller prendre un point un peu plus loin.
Oui, bon, tout seul contre 25 ennemis, ça allait pas le faire. C'est pas Rambo. Ah, il nous manque Katox, mais Katox est peut-être AFK, hein. Il l'a peut-être pas dit, mais je pense qu'il est AFK. Attends, j'ai Longchang, Katox. Katox ne fait rien. Salut Thomas. Ouais, ouais, je pense qu'il a dû s'absenter. Attends, je vais au sud de la plage, j'arrive. Vas-y, à droite, regarde ta map, regarde ta map, regarde ta map, regarde ta map, on est un peu plus à l'est. Ah oui. Attends, je vais voler un canot. Si tu veux aussi. Voilà. Ah, c'est pas de ce côté-là. Essaye encore. C'est de ce côté-là. Allez, let's go. Oh, on va tenter. On va tenter le ranch en face. Je te suis, mon capitaine. Ich gehe, mein Commandant. C'est exactement ça le signe. Il va utiliser l'excuse bébé. Ah, c'est pas, ce serait pas gehe, ce serait fare d'ailleurs. Voilà. Ce serait le verbe faren car nous utilisons un véhicule. Nous n'utilisons pas nos jambes. Ah. Je peux vous faire des petits cours d'allemand aussi en même temps. Si vous ah, bah c'est triste. Je me sens seul. Ah, des éoliennes. Pourquoi? D'accord, c'est ambiance. Parce que je ne parle pas du tout allemand. Je ne parle pas du tout allemand. Nein. Ah, si, ah, ich möchte gerne une Kartoffel Puffer bitte. Alors, ah, celui qui a dit, sait ce que ça veut dire et qui parle pas allemand, il est très fort. Ah non, je ne. Alors, attention, hein, parce que c'est pas parce qu'on est dans la. Il y a beaucoup moins de monde à l'arrière-ligne, mais. J'arrive mais direct. Mec. Ah bah voilà. Ah oui. Évidemment. Ah bah voilà. Salut mais les gars. Te voilà traité direct. C'est ça. Ah, Katox, ah oui, d'accord. Katox est de retour, je crois. Je confirme. Il y a du monde. Ich bin dead. Ich bin dead. Faites gaffe, il y a un mec qui va vous contourner par derrière. Ok, donc c'était pas un bon plan, ça. Voilà, vous aurez vu le commando à l'œuvre. Ah, les expandables, ils ont bien changé. Ah ouais, ils ont vieilli, les expandables. C'est les expandables Lidl. Ouais, c'est les extendables, puisque ça dure un peu. Ah, mais c'est dur de tuer les gens, la grenade. Faut bien viser. Ce jeu. Bon bah, je retente de prendre le point principal, hein, vu l'échec. De quel échec parlez-vous, monsieur? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut écraser les gens? Est-ce que ça fait des... Est-ce que ça tue les gens si on les écrase? Bien sûr. Mais faut arriver dessus suffisamment violemment. Oh, punaise. Il m'a shooté à travers la bagnole. Bah écoute... Putain, mais y'en a marre de se faire tirer dans le dos, quoi. Mais Thomas, tu auras la rediffusion sur la chaîne, si tu veux, où tu verras vraiment mon écran... Oups, j'ai failli tuer quelqu'un. Moi où tu verras mon écran et tu verras toute mon efficacité légendaire. Ou pas, ouais. Je suis d'accord sur le ou pas. Alors, je vais redonner le petit manuel qui va me redonner des RP. Cool. Voilà. Et on a le M16. Effectivement, on a le M16. Tu as raison de le dire. Il est bien là. M16, G36, normalement, c'est quasiment la même chose. Oui. Alors... Techniquement, le M16 est moins bien que la G36, mais... Alors, attention, ils ont des unités, une petite unité d'élite, là, le mec est torse nu, là. Espèce de Rambo. J'ai essayé de le contourner, mais ça n'a pas marché. C'est pas facile comme jeu quand tu as moins d'une heure de jeu. Non, c'est pas simple. Oh que oui. Déjà quand on a pas mal, c'est dur. Qui m'a tué? J'ai tué le Rambo. Oh la vache, comment je me suis fait buter là? Ah non, il était pas mal. Je sais pas, j'ai reculé fortement moi aussi, j'ai... Ah moi je me suis pris une balle si c'est du... Je sais pas si c'est du gros Rambo. Calibre ou... Je m'en fous, j'ai tué Rambo. Il y a une M240 et une Minimi. Très bien. Waouh, le mec avec lance-grenade, il fait mal. Hein.
Grenade. Achevez-le, il va se relever, contre, bordel. Voilà. On voit bien la différence de précision quand tu es allongé ou quand tu es debout. Oui, complètement. Ok, il était mort, lui. Ce qui est totalement vrai. Hein. Oh, je pense, oui. J'imagine, en tout cas. Jamais tiré en vrai, mais je pense que... Ah, si. T'inquiète. Oui, je te crois. Ah, dans mon dos, bordel. Ils arrivent dans le dos. On était en train de bien s'installer, là. Moi, j'étais quasiment à la... Enfin, ce que j'appelle la piscine. On a un mec en gilet pare-balles, d'ailleurs. Ah, oui. Il vient de mourir. Et on a un APC à la base. Ah ouais, la piscine, c'est le petit lac, là. Ouais, non, je sais pas trop comment appeler ça, mais... Hop. Mais bordel, vous allez crever, quoi. Bon, moi, j'ai tenté de prendre la piscine tout seul, mais ça n'a pas marché. Oh là 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 là. Oh, on est vraiment galère. Oups. Je suis passé sous les roues du véhicule. C'est toi c'est qui a le blindé? Ah oui, non, c'est pas nous qui avons le blindé. Hein. Non, je m'apprêtais à monter dedans, puis... Tu t'es fait dégager? A décidé qu'on était... Trop des bleus pour le prendre, ouais. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on galère, quoi? C'est vrai que la punition est assez... Ah ouais, j'ai jamais galéré autant à prendre un point. Hein. D'habitude, le premier point se passe assez vite, et là... Eh bien, attends. Tout mon talent. Alors, au pire, je peux baisser un peu la difficulté, hein, le temps de prendre le premier point, hein, mais. Oh la vache. Attends, on ramène des armes à la base. Attends. Mais le jeu est très bien, mon petit Thomas. Oh la tête du. Oh là là, mais je vais prendre ces balles, mais sérieusement, quoi. Et Katox est de retour, mais on n'a pas retrouvé sa voix. Il ne doit pas pouvoir parler. Oui, il est vexé quand on a dit qu'on l'entendait pas assez. Du coup, il fait vœu de silence. Il y a arrêté. Ah, vaut mieux faire vœu de silence que vœu de célibat. Hein. Moi, je te le dis tout de suite. Même si les deux sont possibles. Un ghetto blaster. Aïe. C'est quoi ce machin? Tu ne connais pas le Ghetto Blaster? Non. Le Ghetto Blaster, un mythique radio des années 80. Ah oui, c'est un pur die and retry. un surtout die. Enfin, il y a un retry aussi, tu me diras. Ah, je crois que c'était un die and a recry. Ouais, tu m'étonnes. tu finis par pleurer. Hein. Ou un die and redie aussi, ça peut être pas mal. Je confirme puisqu'on a un APC ennemi dans la base là maintenant. Bah c'est bien, de mieux en mieux. Ah c'est de mieux en mieux. Bon, envoyez les grenades hein. Moi je récupère les armes. C'est mon travail. Mais quel con. Écoutez, j'ai un ghetto blaster, oui, que j'ai récupéré. Si vous voulez un peu de musique. Est-ce que tu pourrais mettre Chéri FM? Alors... Nostalgie. Ah, j'étais plutôt branché nostalgie moi là, mais. Petit fail. Wow. Si vous voulez, je suis en train de les attirer massivement, si j'y arrive. Parce que je suis sur un toit. Et en général, ils ont tendance à se focus sur un personnage, si vous regardez où je suis. Ça sur va. La map. La PC ne s'est pas visée, donc je peux déposer les armes à la base. Je ne suis pas sûr de te dire, vu le carnage qu'il vient de faire. Ce que je viens de prendre. Je viens de prendre cher. Pardon, ouais. Je viens de tuer un ami, je croyais que c'était un ennemi. Ça roule d'Acus, ta présence ne sera pas trop, hein. Attention, Artonk. Ah, y'en a un, nous, là, de trucs, mais qui va bientôt crever. Voilà. Bon, ça y est, j'ai pris mon premier niveau, cela dit. Nous te font fuir, nous te font aller vers la passe ennemie. Voilà, une bonne grenade. Les mecs te shootent tellement de loin. Ah bah ça, c'est clair. En fait c'est le type de jeu où tu dois tellement écarter la caméra là à droite. Ah bah oui. Pour les voir. Sauf que eux, j'ai l'impression qu'ils voient dans toutes les directions et pas toi. Alors il y a des grandes chances que ce soit le cas, ouais.
Ah. Ah putain. Mais si, on est censé faire des attaques coordonnées, mais nous sommes coordonnés. Regarde, on est façon, là. Façon choucroute. Choucroute. T'as pas l'impression d'avoir un gros sac à dos, Crazy, non? Ça va? Alors, si vous voulez l'armure immobile, c'est moi aujourd'hui. Attendez, il faut que je passe vite fait mon Discord en ne pas déranger, parce que là, je vois qu'il y a les notifs qui s'affichent et on s'en fout complètement. Oh putain. Ah, moi, je suis toujours. Alors. Oui, moi, je suis toujours en ne pas déranger. Comme quand, ça, au moins, quand t'oublies pas de le mettre. Quand t'es vidéaste, t'es obligé, quoi. Le gain de mon micro sur OBS est trop fort. Allez, c'est parti. Je règle ça. Alors, mon micro. Voilà. Tu me diras si c'est un peu mieux, là. Pour les moments où je m'énerve un peu, effectivement. Il y a moyen que ça fasse mal aux oreilles. Au fusil à pompe, t'es vraiment sérieux? Ouais, ouais. Ça peut marcher. Hein. Complètement, j'ai abattu mon lot d'oiseaux avec. Alors vous savez quoi, je vais tenter un truc, je vais prendre le camion de spawn et je vais le ramener loin, plus loin. Ah, my neighbor. Oula, 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 oula. Ceux qui ont vu le live comprendront. La physique du camion qui descend d'un étage. Ah, voilà, j'ai un véhicule, messieurs. J'ai on, est un train véhicule. De prendre, on est en train de prendre le point là. C'est pas grâce à moi. Je sais pas, j'étais à côté. Allez, il faut tenir. Ouais, il faut tenir, le point a été pris. Mais c'est moi ça. Oui. J'ai tué quelqu'un à la grenade. Diabol. Ah, ils nous le reprennent. Ah non, c'est pas bon ça. Ah si. Ah mais ils sont 12 hein. Oh là. Ah oui, ils sont un peu plus de 12 en fait. Ah, ils ont repris le point, merde. Je suis tout seul, aidez-moi. un contre 5, ça passe ou pas? Quel endroit? Ah, écoute, apparemment ça passe pour le moment. C'est contre des IA, Thomas. On peut jouer en multijoueur en ligne contre d'autres joueurs, mais là c'est pas le. C'est pas le je suis en train de reprendre le point, venez m'aider, tout de suite. Merde. J'ai presque repris. Rappelle-moi la couleur de ton picto. Je sais pas. Bleu. Alors, vous regarderez, mais normalement, il y a un... Bah non. Il y a un point de spawn bad idea. Tout en haut à droite de la carte quand vous mourrez. Ouf. Alors, comment on fait bah, pour mourir, je crois que c'est simple. Ah non, ça, je sais. Mais non, mais pour la map... Moi c'est tab, mais je sais plus ce que c'est. Tab. Moi chez ah moi. Ah oui, hein. Tab. Moi chez moi, hein, c'est tab. Et tu peux cliquer sur le point le jaune point... en haut à droite. Ah oui, les queues. Ouchi. Donc, tant qu'il vient, d'accord, donc maintenant je réapparaîtrai camion. Là-bas, c'est ça? Ouais. Normalement, oui. Des queues. Attends, des queues. Je suis au niveau de l'église. Bon, je suis tout seul, hein, par contre. Kit de fortification, on s'en fout. Trop bien, je peux monter dans le clocher de l'église. Oh, ça me rappelle quelque chose. Attention, Sainte Mère l'église, tout ça, tout ça. Alors. Ah, trop bien. Non, ça a pas marché. Je me suis moi, pas je... porté sur le camion. Bah, si, moi, ça a fonctionné. Bah, j'ai cliqué dessus, ça ne marche pas. Non, non. Ouais, j'ai balancé une grenade dans l'église, c'est pas une bonne idée. Ah, merde, je me suis fait abattre. Ah, envoie une gaze d'eau. Tu m'as bien dit de cliquer, clic gauche, on est d'accord? Ah oui, oui, tu cliques sur le carré. Oh, et... cette punition. Non, non, je ne roule pas comme dans Project Zomboid. Je sais bien pire que dans Project Zomboid. Et est-ce que tu peux nous faire le klaxon de Project Zomboid? C'est ça la question. Il le fait, ce con. Ah, bien sûr, bien sûr. Oh là 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 là. Il va falloir qu'on coordonne une attaque, je pense, sur l'église. Bonjour. Coucou Dacus. Oui, sure. Hello. Il est arrivé, ça y est. Tu as réparé ton Steam? Ouais, j'ai dû le retélécharger, je sais pas ce qu'il avait. Ça m'est déjà arrivé une fois, moi. Ou deux. Là, c'est 7 d'XP maintenant, les ennemis. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a à 7 et il y en a à 5.
Voilà, ça doit être les gradés. Bon. Ok, on essaye de d'attaquer ensemble. Akatox est parti sur un autre point du coup. Ouais, c'est dur. Faites attention. Mais je vais attendre. Ah bah oui, mais du coup, Aka, t'arrives pas à venir sur le point en haut à droite ? Bah écoute. Ah voilà. Ah, c'est quand on meurt. Je croyais que c'était avant. Ah non, c'est quand tu meurs. C'est quand tu meurs. Tu sais, je pensais comme dans beaucoup de jeux où tu sélectionnes et puis okay. Après tu reçois directement. On va aller voir. Je sais pas où il est. Ok, tu tiens de là-haut toi, parfait. Ouais. Par contre, fusil à pompe. Ah bah écoute, ça les tient en respect, donc on fait avec les moyens du bord. Là, on devrait pouvoir faire quelque chose sur ce point-là, honnêtement. On l'a bat, lui. J'ai une armerie juste là. Regardez, on est en train de le prendre, le point, là. Voilà. Je suis dans l'église. Tu peux monter à l'échelle. Ouais, bah attends, il y a un mec à la porte. Il y en a plus d'un, hein. Ah merde. Ça, ils arrivent, par contre, hein. Il y a la contre-attaque hein, qui arrive. Il y a une grosse contre-attaque qui arrive. Je suis mort. J'ai vu ça. Il y a énormément de monde. On l'a pas tenu longtemps le coup. Hein. C'est toi qui t'es pris la grenade en pleine tronche ? C'est pas moi, je crois pas, mais... Ah, faut que je remonte mon micro maintenant. Bon, alors attendez, je remonte mon micro. C'est les aléas du direct. Hein. Moi, ce qui est bien, c'est que comme j'ai programmé mes micros pour qu'ils soient toujours pareils et qu'après je fais des copies-collées de scènes... Bah moi aussi, mais bizarrement... Ah et là, il y a du monde à l'église maintenant. Est-ce que tu as utilisé Teams il y a pas longtemps ? Vraie question. Pas sur ce PC-là. Parce que Teams, chez moi, avant que j'ai Windows 11, hein, je tiens à le dire, donc c'est pas le fait de Windows 11, remonte le micro à 70%. Voilà, de captation. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Ah, je ne sais pas non plus. Ce qui est légèrement embêtant. Il reste plus qu'un mec là tout de suite si tu veux. Enfin, t'es au fusil à pompe, c'est vrai. Sachant que moi, habituellement, mon micro étant à 24%. C'est beaucoup. Voilà. Attention, sniper. Hein. Il est où ? Au niveau de l'armurerie. Ok. Grenade. Merde, je l'ai pas tué. Je vais monter dans le clocher si j'y arrive. La grenade, elle a pété littéralement. Il y en a un qui arrive avec un bouclier, les gars. Et il va vous foncer dedans. Dedans. Attends, je vais le prendre dans le dos surtout. C'est moi, je tire par la fenêtre là. Le problème, c'est que je vois pas ma vue. Bien, ah, je suis tombé. Je vois pas bien, donc j'arrive pas à savoir où est la fenêtre. Ouais, c'est un peu chiant dans l'église, perso. Concept original, je snipe depuis tout à l'heure. Ça y est, c'est bon. Aux pompes, au space 12. Mais tout va bien. Si quelqu'un a des chokes. Ah merde, je me suis fait niquer. Ce serait volontiers. C'est quoi cette caisse ? Pourquoi il y a un point d'interrogation sur une caisse en métal ? Je ne sais pas. Ah, c'est les caisses secrètes. Tu pouvais venir à l'est d'Acus, on avait fait un spot. Il y a, je crois, 5 caisses secrètes par carte. Ah ouais ? Et on fait quoi ? Il faut l'ouvrir ? Comment on fait ? Ah non, j'ai raté mon âge. Je sais pas du tout. J'en ai jamais trouvé. Ou alors ça me dit rien comme ça, mais... Attention, ils vont prendre position dans ma tour. Tirer dessus ne fait rien. Jeter une grenade, peut-être. Ah oui ! Grenade explosée. Ah, c'est un kit de lance-grenade. Ok, lui, c'est bon. Ouf, tu l'as défoncé, lui. T'en as un autre qui arrive, là. Tiens, on joue. Prendre le point. Ouais, c'est bon, on va le prendre. Enfin, non, peut-être pas en fait. Attention à la contre-attaque. Je dépose le kit de lance-grenade dans le truc. J'entends une Jeep. Yep. Contre-attaque ennemie, ils sont nombreux. Je vais prendre une mitraillette.
une grosse mitraille. Excuse-moi d'accus. Alors, j'avoue que le jeu qui t'a mis une couleur rouge, ça m'a stressé là. Je vais être honnête. Tout ça voilà. Parce que j'ai le bandeau de Rambo quoi, vas-y. C'est vrai. Je suis décédé. Oh, Rocco qui me fonce dessus, j'ai peur, c'est bon. Médecin. Merde, j'ai plus de mission. Merci de me couvrir. Oh putain. Alors je vous précise merde. Que les S sont un mauvais calcul. Hein. Car les munitions passent à travers les haies. C'est pas faux. Ils sont en train de la reprendre, mais bon, on défend le point. Il est casse-couille! Tiens, cadeau. Allez, bim! Dégage. Belle grenade. Ouais, mais aïe aïe aïe! Ils arrivent. Qu'est-ce qu'il fait avec son flingue lui là? Il a pas me buté avec son flingue quand même. Bim! Au secours! Au secours, aidez-moi! Je suis mort! Une fois de plus! Oui, c'est pas faux. Ouais, là c'est plutôt du PVE, effectivement. Enfin, c'est du. Ouais, c'est tous contre le. Mais. Oui! Il y a du PVP aussi, mais. J'ai réussi à en tuer un à la grenade en mourant. Tu sais, le mec il jette la grenade en mourant de mourir. C'est ça. Oh là là, non seulement ils ont contre-attaqué. Oh punaise, mais ils sont en train de nous repousser jusqu'au camion. Ah, ils sont violents. Ah, mais t'as bien vu comment on a avancé là? Mais nous tiendrons! Partout à Tis! Ouais. Enfin, peut-être. Hein. Peut-être pas. Et on peut pas changer d'arme dans le camion de spawn, hein, c'est ça? Ah, bah bien sûr que non. Donc, genre, moi j'ai pris une mitrailleuse lourde qui m'oblige à me coucher pour l'utiliser si je me mets pas derrière un objet. Bah, voilà. C'était une bonne idée et à la fois une mauvaise. Ah ouais, non mais là ils veulent nous repousser hein. Mais non. Oui, je les trouve un peu vindicatifs tout de même hein. Grenade. Et j'entends un véhicule. Et j'imagine qu'il est... T'es sûr? Et c'est un NPC ennemi. Mais c'est à nous. Ennemi. Non. Pourquoi tu dis que c'est ennemi? Tout ça parce qu'il a pas les bonnes couleurs. C'est exact. Non, parce qu'il nous tire dessus. Ah, c'était peut-être une explication. Aïe. Je suis mort. Pour l'instant, il a l'air de vouloir apprécier ma compagnie. Défi rend achevé. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce qu'on est bon. J'ai jamais autant galéré. Alors, peut-être parce qu'on est plus nombreux aussi, hein. Le jeu s'adapte peut-être. Je suis tout seul, au secours. Je suis dans une ville tout seul. Aidez-moi. Je suis plus tout seul. Ils sont venus t'accompagner. Non, je suis parti accompagner les anges. Ouais, super. À la fin dans ces guerres, il y aura que des colonels. c'est chaud là, franchement. Bon, on va voir le côté positif, hein, on monte en niveau et après on va débloquer des meilleures armes et après on va avoir des escouades et après on va pouvoir faire des appels radio pour faire des bombardements et des... Voilà, mais pour le moment c'est chaud. Je pensais que tu parlais d'une partie d'une heure. C'est ça. Et pas d'une journée. Il avait dit que ce serait fun, qu'on s'amuserait et tout, pas qu'on se ferait laver le cul. Ouais, j'avais pas prévu ça non plus. Hein. En vrai ce jeu est fun, hein, mais... Dans d'autres circonstances. Bah écoute, moi ça va, tu te fais tuer en 2 secondes et demie, mais je trouve ça très drôle. En fait, t'as pas la frustration, tu sais, de l'attente de spawn pendant 30 secondes. Ah, oui, c'est exact. Ça. On peut pas lui enlever ça. Parce que t'as des jeux où tu meurs aussi vite et où t'as l'attente de spawn 30 secondes et c'est horrible. Ça c'est sûr que c'est pas son cas.
On a pris un truc ? Non, on a rien pris en fait. Non. Bon, ouais, je peux te dire qu'on a pris une rouste, mais... Ouais, ça c'est clair. Tous ces morts autour de la maison de Dieu, que de blasphème. Bah, non, écoute, par contre, c'est vrai que le signe a raison. L'IA n'arrive pas à prendre le premier point sans nous. Alors comme on est plus nombreux, on va peut-être trop tenter d'aller le prendre. Histoire qu'après, ça s'ouvre un peu plus dans la ville. Ouais, ouais. Je pense. Là, hein. C'est vraiment chaud. Allez, let's go, on change de point. Je vais aller rechanger d'arme aussi. Histoire d'être un peu plus... Ah, bah l'armurerie mobile a bougé. Bon, bah alors... J'y vais. Donc il faut retourner au début, c'est ça ? Bah, on va essayer, parce que là, pour le coup... C'est la même arme, ça, non ? Ouais, super. Je peux pas prendre cette petite voiture rouge ? Bon, ça, je suis tout seul à l'église ? Je crois. Bah, je pense, ouais. Bon, je continue croyant. Mon boulot de sniper au M16. Oh, un Carl Gustav ! Mais c'est pas allemand ? Eh ben... C'est pas suédois, même... ça ? Carl Gustav, c'est suédois. Oh. Ouais, yes. Oui, la belle grenade. Ouais, on va peut-être pouvoir le prendre, ce point, à la fin. En train de push. Non, là-bas. On va peut-être y arriver, à le prendre, ce punaise de point. Purdy Freiheit. Ah bah voilà, j'ai eu ma promo. Nickel. Et je suis toujours vivant. Là, je joue aux Lemmings, là, depuis tout à l'heure. Ils se pointent sur l'échelle, et puis... Ouais, ça, c'est un peu un classique du jeu, ça. On a pris le point, hein, pour le moment. On va peut-être le tenir. On est en train de le tenir, même. Il y a beaucoup d'IA avec nous. C'est ouais. Bien. Ouais, ouais, il y a de l'IA. Du coup, le général, qu'est-ce qu'il va nous dire de prendre ? Parce qu'il a pas encore donné d'ordre. Il a dit de défendre, pour le moment. Donc... En fait, il y a un général qui donne les ordres et en fait l'IA va le suivre. Hein, donc, ouais, j'ai vu, c'est un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont verts, c'est pas des gentils. J'avais oublié ce petit détail. Ok, donc là on a l'armurerie mobile. Donc je vais aller changer le d'arme. Bois, hein, t'sais, du haut de son toit. Oula, oula, une Jeep. Quoi ? Quoi ? De quoi ? Bah. Je me suis fait, mais. Ils ont pris un virage et je me suis fait one shot mais en mode automatique quoi. Il s'est tourné le truc, il m'a mis une balle et ils ont continué la route. Ok. C'est, bah ça fait c'est se bien faire, de tuer toi. Hein. Bah, attention là, ça arrive. Ça arrive dans les ruelles. Est-ce que vous voyez le pick-up rouge au niveau du point qu'on vient de prendre ? Le pick-up, ouais, la Jeep. Ouais, il y a la Jeep verte, il y a un pick-up rouge. Et il y a une petite ruelle, il y en a deux. J'entends des véhicules sont... près de ma position, c'est vous ? Alors non, c'est pas ça. Bah je sais pas, t'es tout seul. D'accord, non, je sais pas. Non, non, si tu regardes la map, bah t'as peut-être pas le temps, mais... Ah, je n'ai pas le temps. Là, je farm, on va dire. Ok, l'IA est pas trop conne. Keep up. Ah, je suis un peu encerclé, là, les gars. Ah, merde. Ah, oh, il a sauté dans l'eau, lui. Il tente de nous prendre le point de la piscine. Ah mais je croyais qu'il était plus haut que ça moi le point de la piscine sur la map. Mais en fait non, absolument pas. C'est avec un plaisir non dissimulé que je viens de recevoir une médaille. Eh bien félicitations. Merci. Ah il y a un ordinateur en plus portable. On te la donnera la commandanture. Je courais et en plus. Mais non, j'étais pas en slip. Aïe! Wow, qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord. La PC qui arrive pour me mettre un obus de 30 mm dans les fesses. Merde, j'ai apprécié. Petit gregreux. Voilà. Il est détruit. Donc essayez de viser le point des docks, hein, du coup. Quoi ? Oh, la balle de sniper que je me suis pris, là ? Il y a le rouge. Le rouge, c'est Dacus. Oui.
Oui, c'est moi, oui. Désolé, j'étais concentré là. Allez hop, promu au rang de caporal. Ça y est, je peux faire les premiers appels radio. Et donc, ton rang, tu le vois où? Attends, excuse-moi, parce qu'il y a trois mecs dans l'eau là. Si tu peux, si tu sais, savais ce que je vais leur faire. Coucou. Ouais, tu leur fais ce que tu veux. Si c'est ton kiff, les hommes. Surtout qu'ils soient morts. Est-ce que ça marche dans l'eau, la grenade? Oh, la petite grenade jetée sur le toit. J'ai bien apprécié, moi. Ouais, donc tu le vois où, ton grade? Bah, quand tu laisses ça... je sais plus. Si, quand tu mets le curseur sur toi, le curseur sur toi. Le curseur sur moi. Sur ton personnage, en fait, sur ton petit bonhomme, tu mets le ton curseur. Ah, je suis première classe. D'accord, attention, ça push sur le premier point. Par le nord. Effectivement. Bah, Dacus, tu vas tomber dessus. Qu'est-ce que j'ai débloqué? La scorpion silencieuse. Est-ce qu'on tente ça, le... C'est surtout eux qui me sont tombés. Une arme tchèque. Intéressant. Scorpion Evo 3, pour être précis. Oui, ça c'est normal, le Evo 3, mais c'est tchèque. D'accord. CZ. Oui, donc tchèque. CZ, ça veut dire manufacture tchèque, je crois, en tchèque. Voilà. C'est ça, je confirme. D'ailleurs, CZ a racheté la marque Colt. Ah bon? Ouais. J'ai pas suivi l'histoire. J'hésite entre ce que bon, après, les armes américaines, ça m'intéresse pas, donc... Mais du coup, maintenant, elles sont tchèques. Ironie du sort. Je vais prendre une autre grenade. Donc, me demandez pas de prononcer en tchèque, par contre, CZ, parce que... Je crois que c'est Seska Zobroska, un truc comme ça. Zobroska. Ah non, mais sérieux, c'est un truc comme ça. Bref, je ne suis pas non plus féru de tchèque. Je ne sais pas parler tchèque, en fait. J'ai beaucoup de qualités dans ma vie, mais je ne sais pas parler tchèque. Alors, oui, maintenant j'ai un petit troufion qui me suit, hein. Effectivement. Tiens, va là-bas, toi. Et comment tu l'as appelé? Bah, il s'appelle tout seul. Il s'appelle Bobby. Et dans le rôle de Bobby, il se siffle. On est en train de prendre les docks, s'il y a des gens qui veulent venir sur le point des docks. Mais moi, je suis toujours vivant à l'église. Voilà, j'ai tué le toubib. Ah ouais, t'es toujours vivant à l'église, toi. Et oui, et maintenant je suis épaulé par Katox. On a pris les docks. On va essayer. Est-ce qu'il faudrait qu'on prenne là? C'est le Eastern District, comme ça on pourrait couper en deux. Ça serait drôle. Et donc faire une forme de pouce. Yeah. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour nos amis anglais lors de l'opération Market Garden. Tout à fait, ouais. C'est vrai. D'accord, donc le silencieux, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des potes à eux qui se font buter. Ok, c'est pas mal ça. Alors, à savoir que je suis en train de préparer un JDR sur la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux que ça intéresserait. Oh! J'allais dire, ah oui, sympa, et puis je me suis pris une balle de sniper. Ouais. Oh. Attends, j'ai... Shop lane par le sud. Ouais, tu regardes ta map, il y a le point avec la croix. Oula, 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 oula. Juste à côté. Ah. Bien essayé, Dacus. Pile au moment où je monte, ici, ils descendent. Attention, ça remonte, Dac. On est en train de prendre le point là. Ça y est, on prend le point. Je suis en train de faire un truc qu'il ne faut pas faire, remonter une rue tout seul. Ah, il y en a qui a parachuté au... Tout en haut, ouais. Attends, je vais y aller. Ah, il est sans juste. Allez, bim. Oh, slash. Ça y est, ma frénésie meurtrière vient de se terminer. Eh ben, dis donc. Par contre, on a pris la moitié de la map, et ça, c'est très bien. Attention, oui. Alors... Il n'y a pas de dégâts de chute. Je suis dans le... Je suis dans le petit quartier pavillonnaire de la cité. Cité balnéaire des... Ils n'ont que des jardins en béton, les pauvres petits. Oula, attention, en face. Hop, 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 hop. Ah, mais je m'approche de l'église, en fait. D'accord.
Et donc nous on doit juste prendre le point, c'est ça, hein, leur base en fait. C'est ouais, c'est toujours des captures de points. Toujours les points, faut prendre tous les points en fait. Tous les points. Ok. Ah mais je suis au niveau du camion, d'accord. Le mec qui fait le tour du monde. Elle fait mal hein, la scorpion quand même, hein, putain. Bon c'est du 9mm à la base, hein, donc normalement... Pas bah, non écoute, plus... Bah pourtant, c'est efficace. Oh une mallette, une mallette. Couvrez-moi, j'ai une mallette. Couvrez-moi. J'ai les papiers. J'ai les papiers du véhicule. C'est ça, j'ai la carte grise, couvrez-moi. Attention, il y a un APC devant nous. Alors vite, contournons-le. Attaquons ce soldat américain. Ah. Je regarde quand même ce qu'il y a dans les caisses, on sait jamais. Vu que je vais... Réserve personnelle, armurerie. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? Tu peux la réserve personnelle ? Tu peux stocker des armes pour les garder pour plus tard. Un SG-552. Oh, une Six Sauer 552, très bien. C'est ça, moi, je peux pas l'utiliser, il faut plus de 1500 XP. Donc c'est une arme suisse, voilà. Merci Acadpedia. Merci à vous. Bah Six Sauer c'est suisse, hein. Voilà, on peut rien y faire. Eh ben ils font de très bonnes armes d'ailleurs, leurs Aeli sont très très bien aux Suisses. Eh ben on trinque au signe, alors je bois un coup. Écoute, moi c'est fait depuis quelques heures déjà. Pour oublier les mésaventures de la journée. Aïe, aïe. Allez. Oui, allez, deux de moins. C'est quoi ce... Oh là là, c'est une zone de bombardement. Ah oui, reculez. Oui. Sortez de du cercle. Hein. Je croyais que c'était à nous. Alors même si c'est à nous, je vous déconseille d'y rester. Ouais, c'est pas faux. Alors, chef, oui, j'ai commandé un bombardement sur notre QG, tout va bien. Je vais pouvoir commander des trucs comme ça avec la radio, effectivement. Je le montre, hein. Il y a pas mal de choses possibles. Donc tu vas pouvoir nous commander des pizzas? Alors ça, je peux pas. Je peux commander des bacs de sable. Alors je sais pas si ça compte comme des pizzas. Bon, un petit peu, ouais, c'est à peu près pareil. Oui, quand on est soldat, c'est pas difficile. Ah, c'est ça. Hein. Oula. On fait que ce qu'on a, comme on dit. Ah bah j'allais envoyer une grenade au même endroit qu'il y a une grenade qui est apparue. Il y a un point de spawn qui est apparu là, je vais le prendre, c'est un peu dans leur dos. Oh, il y a un petit UMP-40 au sol également là. Mais... Attention, tu vas te faire cut là-haut. Moi ? Choucroute. Hop là. Oui, je l'avais vu. D'accord. Je peux monter d'accuse, vas-y, je te couvre. Moi aussi, je n'arrivais pas à choper le trigger. Oui, mais il y a un PC là. Et on arrive à l'église. Attention, derrière toi, d'accuse, derrière toi. Ouais, ils sont partout là. T'es pire que de la vermine. Ouais. Tiens. Et ton soldat il fait des sauts de malade quand même. Aïe. Le mec il saute par dessus l'échelle quoi. Ah non mais là j'ai fait le bourrin. La même chose, il y en a trois en face hein. Ça y est, on a l'ordre d'attaquer l'église, donc là l'IA va s'activer. Allez les boucliers humains, on avance. C'est ça. Katox va pouvoir descendre de son perchoir. Ah la petite évo silencieux là. Ah là on est en train de bien inverser la tendance quand même hein, parce que là on les sauce hein. On a mis du temps, il y a eu des morts. Je vais déposer un laptop. Donc vous aurez remarqué que ce jeu se base sur la stratégie très simple, néanmoins efficace, mais coûteuse de la Première Guerre mondiale. On envoie de la chair à canon jusqu'à ce qu'on arrive à prendre le point. Bah c'est un peu ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Oui tout à fait. Dans certains pays. C'est pas faux. C'est totalement le cas. On est dont nous tairons les noms, mais cela ne nous regarde pas. Regarde pas.
Y a du parachutage, méfiez-vous, c'est peut-être des Américains. Oh. Oui, c'est des Américains. D'accord, mais j'ai... Bon, bref. Je repasse mon permis, je le pense. Et les bouffeurs de burgers. Les bouffeurs de burgers. Il y en a pas mal, les bouffeurs de burgers. Oula, ça se parachute encore, attention, il y en a d'autres qui arrivent. De toute façon, c'est la guerre de la choucroute, pas du burger. Ah, c'est chaud. Ah, la choucroute froid, c'est pas bon. Non, c'est vrai. Ça, la choucroute, c'est toujours bon. Une petite choucroute avec son petit verre de vin blanc là. Ah, petite choucroute avec une bonne bière fraîche là. Ouais, vin blanc, c'est pas mal aussi. Ouais, les deux sont bien. Un rasoir. Et ça a donné quoi le PC du coup? Une arme aussi? Elle nous a donné une MP5 silencieuse. Ah, bien, bien, bien. Oh, comme on est en train de les saucer là, ça fait plaisir. C'est marrant, j'ai l'impression que la niveau de difficulté a baissé. Non, non, c'est juste qu'on commence à prendre les points. Et puis, vu la map, je suis pas très surpris parce qu'on commence à faire des. Ah, bah, je dis ça, ils nous reprennent un point. Ils nous ont repris un point, donc changement de cible. Hein. Enfin, on pouvait continuer quand même, hein, mais. Non, non, c'est que ça dépend où sont orientées les attaques, forcément. Y'a un soldat américain qui me tire dessus, il est équipé du taser, quoi. Ah, ce sont les commandos équipés de taser. Ouais, ah. Réputé increvable. Bah, en même temps, quelle arme, hein. J'avoue, faut être un peu couillu pour faire un assaut au taser. Hein. Je me suis pris... Ouais, ouais, c'est clair. Je me suis pris une attaque de sniper, j'ai pas compris. J'ai entendu trois tirs, j'ai pas compris d'où il venait. Couillu ou un peu téméraire? Les deux. Ok, je les vois. Je le vois le petit. Un peu suicidaire aussi, non? Oui, téméraire avec une bonne couche de bêtises. Aïe 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 aïe. Ça passe pas déjà à travers un bomber, ça. Allez, crève. Ah, mais j'ai. J'ai le droit à un Jackie. Comment je fais pour appeler Jackie? Clic droit pour le commander. Mais non, clic droit c'est la grenade. Ah bah faut que tu revoies tes touches. Et merde, j'ai pas le temps de changer d'arme. Alors. Oh, ils commencent à m'emmerder les Américains qui sont au point là. J'aime bien cette petite musique. C'est Command des Squads, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ah non, c'est pour... Bon, je vais leur laisser une autre fois. Il m'énerve à pas crever, lui. J'ai plus d'armes secondaires, effectivement, j'avais pas vu, ouais. Le sac, ouais, c'est un sac pour soigner les mecs qui sont au sol. Oula, il y a un tir qui a été demandé. Je sais pas si c'est par les Américains, j'ai pas fait gaffe. Ouais, il s'est pris une grenade, de toute façon. Ah ouais, ok, c'était un tir américain, effectivement. Ok, on repouche, là. Bah là on les prend de deux côtés, c'est à dire qu'il y a par la route du nord, par la route du sud et on avance sur East Beach. Alors vous avez un véhicule apparemment? Contre nous, oui. Ouais ouais, nouvelle sud, ça va, y'en a pas. Ok, salut Dacus. Ouais, apparemment il y avait des gens sur les toits. Alors effectivement je vais redescendre sur la plage. On reçoit des tirs, bah écoute il y a un char juste devant toi. C'est vrai que ceci explique cela. Oh bon sang! Merde, j'arrive pas à prendre le M72 low, il y a le char qui. Enfin, la PC, il est en pleine tronche. J'ai un soldat qui me tirait dessus, c'était un fan de Harry Potter et de Hulk Hogan, il s'appelait Harry Hogan. C'était Hulk Hogan en slip avec des lunettes rondes. C'est sexy d'un coup là. C'est vrai. Ah, la PC est traitée, ok.
pour de bon. Ah, ils se défendent hein, quand même. Hein. Et ils ont pas aimé hein, la volée qu'on est en train de leur remettre là. Je sens bien l'esprit revanchard. Wingardium, coup de la corde à linge. Pas mal, pas mal. Aïe. En plus j'ai foiré ma grenade. Vous savez quoi, je vais reprendre le camion de spawn. Et je vais aller le déplacer un tout petit peu plus à l'arrière. Comme ça, ça permettra de faire... Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. On a une charge américaine. Hein. Moi je vous le dis tout de suite. C'est bien possible. Ah non, c'est... Ouais, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils savent viser. Ouch. Oh mais... Si vous êtes chaud... Il y a un point de spawn qui a dû apparaître normalement à l'est. Oh mon dieu. À l'est, dis-tu? Ah oui. À l'est de normalement, East Beach. Normalement, c'est à l'ouest, rien de nouveau, mais. À l'ouest, rien de nouveau, tout à fait. Première guerre mondiale. C'est un super bouquin, n'empêche. Tout à fait. Attention, il y a du monde. Qui aime bien les. Oh, il y a vers le sud là. Il y a un monsieur Ford. Parachutage. Je vais demander un petit coup de tir là-bas. Attention, oh putain, il y a du lance-grenade. Oula, il y a plein de choses là. Je crois que ça a foiré. Nouvelle note 04, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi il se met pas à plat ventre ce con? Ah, parce que c'est pas le bon bouton. Des choses qui arrivent. Allez, grimpe-toi. Suivant. Suivant. Et bim. Il y a un APC qui arrive, je vous le dis. Quelle direction? Mais il arrive par l'est de East Beach, par la route principale. Suivant. Affirmatif. Que j'entends là, ouais, ça doit être ça. Traite. Ouh, joli rebond. Moi, je donne un 9 hein, là-dessus. Hein. Cascade réussie. Il y a toujours le point donc, là-bas si vous voulez. Mais... Et donc dans ce jeu, il n'y a pas de rocket jump. Si, mais c'est un usage unique. Merde. Je suis une vieille campeuse là. Bon, ce que je vais pas faire... Grave, en TV, t'as le droit d'être une campeuse. Je pense que c'est une mauvaise idée. Bon, dès que je meurs, je mets fin à l'épisode, parce qu'il est quand même long hein, le premier épisode. Mais je voulais faire deux épisodes d'une heure, donc on est à peu près dans le thème. Ouais, il fait qu'une heure 15, ça va. Ouais, ça va. Ah, c'est dur hein, de faire des petits épisodes. Mais je vais le faire, je vais y penser. Ah. Par contre, elle est nulle de loin, cette arme, bordel. De quoi, laquelle? Bah, toujours la même. Et les mecs en face, ils me regardent, ils se font tirer dessus, mais j'arrive pas à leur faire mal, quoi. 9 mm, c'est pas étonnant. Ouais, c'est vrai. Je la trouve efficace. Elle est efficace à court et moyen, mais alors à longue portée. Ah merde, mon point de spawn est désactivé parce qu'il y a des soldats qui traînent dans le coin. Ouais, ça, elle est très efficace. Je suis au sol. Je suis encore vivant, mais j'étais au sol. Ouais, tu peux attendre que quelqu'un te fasse un petit bandage. Ah non, c'est parce que l'APC a re-explosé et j'étais juste à côté. Tiens, donne-moi ton M16, toi. Voilà, on va arrêter de déconner. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Coucou. Ouf. Allez, on tient. Ah, je peux pas résister. J'arrive, choucroute. Oh, on me tire dessus dans le dos. C'est inadmissible.
On ne tire pas sur un médic. Sur un médecin. C'est pas, on n'a pas le droit. C'est interdit par la Convention de Genève. C'est ça. Attends, j'arrive. Convention de Genève, pays où on fabrique le SG-152. Bon. J'avoue que... Ouais. D'ailleurs, il y a des lois dans la Convention de Genève. J'en profite à ce qu'on en parle. Vous n'avez pas c'est le droit de diffuser des photos et des vidéos de soldats. Voilà. Prisonniers ou blessés pendant les guerres. Exact. C'est la Convention de Genève également. Oui, et j'imagine que c'est pas du tout utilisé. Non, alors si les gens qui font des partages de photos ou de vidéos d'un certain endroit dans le monde, si vous pouviez éviter de le faire, parce que vous êtes contre la Convention de Genève si vous le faites. Voilà. C'est ça. Et vous aurez une amende de 150 euros. Bon, et moins 3 points sous le permis. Non, c'est pas ça. Ah tiens, on a pensé à la même chose. Ouais. J'ai un collègue qui s'est flashé il y a pas longtemps. En théorie, oui, il est censé avoir une amende, mais ce sera jamais le cas. Voilà. Je vous rappelle quand même que la Convention de Genève interdit les armes chimiques et les lance-flammes, entre autres, sur les utilisations sur les civils. Il pourrait être très intéressant de la respecter. Je me souviens d'une époque où les ricains, ils faisaient des choses bizarres avec le feu. Moi, j'étais pas né. Ah, les Allemands aussi, hein, la flamme de l'air-feur. Le feu, ça a toujours été un grand ami de l'homme. Ah. J'en ai moins fait l'expérience. Allez, c'est bon. Je suis mort, je mets fin au premier épisode. Merci de nous avoir suivis sur YouTube. À bientôt. Et puis, ben voilà, à bientôt pour un nouvel épisode. Effectivement, ma vidéo, j'avais pas vu, est vachement coupée quand même. Mais bon, non, ça va, c'est pas trop coupé. Je la règle vite fait. C'est un peu coupé à droite, c'est vrai. Mais bon, allez, c'est pas grave. À plus, YouTube. Merci, tout le monde. Ciao. Des bisous.